What we do here is go back, 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 back. Je sais pas si l'éclairage est bon. Ok, je pense que ça va le faire. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de mon enfer au Japon. Mon enfer entre guillemets. Une période de ma vie où j'ai travaillé plus de 50 heures par semaine. Donc en fait, comment ça a commencé? J'étais en working holiday au Japon, à Osaka. Je suis arrivé, je me suis dit, ouais, je suis motivé, mais pas au point de vouloir me lancer dans une grande carrière directement, c'est-à-dire un CDI à plein temps. Où je vais devoir travailler du matin au soir, de 7 à 8, comme disent les anciens. Je me suis dit, j'arrive au Japon, je me trouve un petit emploi, peut-être deux baïtos, je tente en fait, je m'essaie à pas mal de trucs. Bon voilà, ouais, c'est un peu passé comme ça, mais finalement, c'était un bien pour un mal. Comment je vais annoncer ça? Donc voilà, je vous raconte le début de l'histoire, j'arrive au Japon. Je trouve sur un site, je ne sais plus c'est quel site, c'est une agence en fait qui aide à trouver, c'est une agence qui aide à trouver du travail aux étrangers vivant au Japon, mais qui parle en japonais et déjà diplômé d'une université japonaise. Bon, moi c'était mon cas, j'avais déjà étudié un an dans l'université d'Osaka, donc voilà, je parlais déjà japonais, j'avais déjà le niveau N2, GLPT. Donc j'arrive moi tout frais, j'ai le pété en poche, je m'inscris dans cette agence et la femme, elle me trouve au bout d'une heure, elle me trouve en fait plusieurs entretiens, trois entretiens. Je vais aux trois entretiens, bien sûr de moi, bien sapé, toujours propre et voilà, le gars il me parle, il me dit ça va, tu parles bon japonais, c'est bien, tu peux travailler et tout ça. L'autre entretien pareil. Donc en gros, en fait, j'avais passé trois bons entretiens. Donc, j'étais sûr, quasiment sûr d'être embauché. Au Japon, c'est comme ça. Quand tu passes un entretien, tu es quasiment sûr d'être embauché. Ils te disent, ouais, tu reviens ce jour-là. Donc voilà, la femme, elle me rappelle. Elle me dit, comment s'est passé l'entretien? Je dis, ouais, pas trop mal, ça va. Elle me demande, tu penses être embauché? Je dis, ouais, je pense que j'ai bien fait. Donc, elle me rappelle. Donc non, l'entreprise me rappelle. Et me dit, oh, ok, c'est bon, là, venir. Tu peux venir ce jour-là, t'embaucher. Je dis ok, bien, frais. J'arrive, on signe le contrat 25 heures. C'est à cette époque-là, c'était dans un restaurant haut de gamme, Shabu Shabu pour ceux qui connaissent, Kinobuta pour les confirmer. Bon, j'arrive, tout se passe bien, première semaine, je finis à 10 heures, comme d'hab, comme c'était annoncé sur le contrat. Je fais du 7h30. 10h, 7h30, 10h30, ça me fait 5 heures, des chiffres de 5 heures. Moi, on vient me voir, on me dit, il est 10h30, je pars, je finis, tranquille. Ça se passe bien pendant 2 semaines. Et la femme de l'agence me rappelle. Et elle me sort, ce serait bien que tu trouves un deuxième baïto. Je dis, mais pourquoi? Je dis, baïto, c'est un petit boulot. Je dis, pourquoi? Parce qu'en fait, t'as que 25 heures, t'as le temps, trouve un deuxième baïto, c'est mieux, tout le monde fait ça. Comme ça, tu vas avoir beaucoup plus d'argent, tu vas vivre beaucoup plus confortablement au Japon. Donc moi, on me propose du taf. En France, vous savez comment c'est galère de trouver du taf. Même un baïto, même un petit boulot pour les étudiants, c'est galère de trouver du taf. Donc moi, je lui dis ok, d'accord, pourquoi pas. Mais par contre, c'est un truc différent. Donc elle, ce qu'elle me fait, c'est qu'elle me propose, même en relation avec Combini, une chaîne de Combini, Lawson. Combini, c'est Convenience Store. C'est comme un peu les supérettes arabes ou indiennes qui a ouvert à n'importe quelle heure. Combini, c'est ça, c'est 24h sur 24, Lawson pour ceux qui connaissent. Donc moi, j'accepte. Donc là, ça faisait 25 heures. Donc voilà, donc j'avais déjà deux baïto. Mais entre-temps, en fait, quand j'avais accepté ce baïto, je m'étais déjà engagé avec une femme qui recherchait des professeurs de français dans une école primaire. C'était deux fois par semaine à raison de 3 heures par jour. Donc je me suis dit, ouais, c'était bien payé. C'était pour 3 heures de cours, je toussais 15 000 yens, c'était dans les 120 euros. J'accepte. Et je continue à travailler, à enchaîner deux taf. L'autre taf, c'était compliqué parce qu'il y avait pas mal de choses à apprendre. Le Combini, c'est comme ça, le Convenience Store, c'est comme ça. Tu parles beaucoup japonais, mais tu as pas mal de choses à apprendre. Comment dire bonjour au client, au revoir au client, c'est pas là. Donc là, je cumulais 45 heures par semaine. Je me dis ça va,
Au début, ça allait, tranquille, je m'habitue de partir tôt. Et je m'en battais les couilles, moi. En France, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Il est 10h, mon contrat, c'est 10h. Il est 10h, je me casse. Je me prends pas la tête, je me casse. Et là, j'étais au moment de ce moment de partir. Et t'as un mec, un de mes collègues japonais, il me sort, ouais Kevin, viens voir, 2 minutes. Je me dis, quoi? Je dis quoi? Je dis, mais tu sais Kevin, toi, à chaque fois tu pars comme ça, il est 10h, tu pars à l'heure pile, tu t'en fous alors que t'as toujours du taf. Je dis, bah c'est 10h moi, c'est marqué 10h hein, sur mon contrat, je suis pas jusqu'à 11h, hein, c'est marqué 10h. Ouais, mais tu sais que là on est au Japon, ici c'est pas comme la France. Ici t'attends que le patron te dise et t'attends que tout le monde te dise, tu peux partir pour partir. Tu te casses pas comme ça. Et en fait, là, je me suis dit, putain, en fait, j'ai compris pourquoi certains, en fait, me boycottaient. Certains me disaient pas bonjour, certains avaient la rage, ils me disaient bonjour, même fuyaient mon regard. Parce qu'en fait, depuis le début que j'avais commencé à bosser, ils avaient la rage que moi, je partais toujours à l'heure, que je me prenais pas la tête. Je me donnais à fond, moi. Quand je bossais, je me donnais à fond, mais je ne rentrais pas dans leur système d'heures supplémentaires, de rallonge de shift. Et voilà. Mais du coup, quand il m'a expliqué, j'ai dû en fait maintenant me plier à la société en fait. C'est en quelque sorte me plier à la société. C'est-à-dire faire comme eux, parler comme eux et comment dire, respecter le boss en fait. Donc du coup, et c'est là que ça a commencé, j'ai commencé à déchanter. Parce que j'ai accumulé déjà 45 heures, plus mes 6 heures par semaine. Donc là, c'était déjà plus de 50 heures. Donc moi, je partais de chez moi à 9 heures, je rentrais chez moi à 23 heures. Des fois à minuit, des fois 1 heure. Parce que quand vous savez la restauration, et encore plus au Japon, il y a du monde. Les Japonais, ils mangent dehors, ça ne s'arrête pas, ils mangent dehors. Ils ne s'arrêtent vraiment pas. Donc, je commençais à des semaines, je fais des semaines à 55 heures, je fais des semaines à des fois, pas 60 heures, mais à 5, des journées à 12 heures. Et voilà, donc, moi, ce que ça m'a fait comprendre, en fait, c'est qu'en travaillant autant, j'avais le temps de rien. Même de manger, je rentrais chez moi, j'étais claqué, je me posais dans mon lit, je dormais direct. J'avais vraiment rien à faire. Je rigole là, parce que là, je suis en Espagne. Je me suis pris des petites vacances en Espagne avant de retourner au Japon. Mais j'en rigolais pas. C'était pas du tout marrant. Rien que quand on me disait une petite remarque, on me faisait une petite remarque, je partais au quart de tour. C'était voilà. Mais après, quand j'ai commencé à accepter là le boss, c'était que des rallonges le soir, ça devenait. Au début, j'avais signé pour ne pas travailler le. Ah, j'essaie d'esquiver les gens. J'avais signé pour ne pas travailler le samedi et le dimanche. À la fin, je travaillais le samedi et le dimanche. C'était Kevin. Ah, Kevin, est-ce que tu es libre dimanche? C'était posé d'une manière, si tu refusais, il allait t'arriver des bricoles. Il allait rien t'arriver de bon. Donc en fait, je m'étais lancé dans le truc et arrivé en moi, bah, j'ai pété un plomb. Mais là, je vous parlerai de ça dans la prochaine vidéo parce que là, c'est un peu trop long en fait.